Je veux pas cliquer sur Monica. Sinon, je vais supprimer Monica. Ok, bon. En gros, donc quelqu'un a piraté notre wiki, donc ça, supposition est con, pour que nous faire passer un message qui est que tu devrais penser qu'à Monica. Sauf que moi, Monica, je la vois plus comme une pote qu'autre chose. Et Natsuki, je la vois plus comme une jeune à qui on aimerait bien avoir une relation plus qu'amicale. Si vous voyez que ce que je veux dire. Bref, bah, on va. Je suis sûr qu'il y a une connerie d'attente. Si on attend, il va se passer un truc, j'espère. Non? Bon, bah, je pense que de toute façon, je vous ferai une ellipse. Bon, bah, je crois que j'ai pas vraiment le choix. Que Monica. J'ai cru que ça allait restart le jeu, une connerie ce genre, mais non. Ça nous a mis le début du jeu avec marqué Comodica. Pas mal, ça m'a bien fait rire. Alors, bien maintenant on va passer à Monica parce que Yuri je veux pas aller la voir. Rinko, je pense que tout à l'heure tu as vu quelque chose que tu n'étais pas censé voir. Je ne voulais pas te le dire, mais je ne pense pas avoir le choix. Ça devient un peu dangereux pour toi de passer autant de temps avec Yuri. J'ignore pourquoi, mais elle semble s'exciter très facilement quand elle est avec toi. Ce qui ne devrait pas être un souci en soi. Mais lorsque Yuri s'excite tôt, elle trouve un endroit où se cacher et commence à se mutiler avec un couteau de poche. N'est-ce pas un peu tordu? On l'a vu. Elle apporte même un couteau différent à l'école chaque jour, comme si elle disposait d'une collection. Ah, ça c'est... Bon, on est chaque jour un couteau différent. Bon, ok. Mais avoir une collection de couteaux, c'est normal. Moi, j'en ai quelques-uns des couteaux que j'aime beaucoup, parce que j'aime bien les en collectionner quelques-uns. Si je trouve sur des perles que j'aime, qui me fascinent. Mais sinon, ça n'a rien à voir. Bref, je veux dire, ce n'est pas définitivement pas lorsqu'elle est dépressive ou quelque chose du genre. Dépressive, c'est Sayori, ça. Je pense qu'elle en tire une certaine satisfaction. Quoi qu'il en soit, quoi que ça puisse être, commence par exemple une satisfaction sexuelle, what? Mais le fait est qu'elle... En fait, elle est maso, quoi, elle est seule. Mais le fait est que tu es un peu l'élément déclencheur. Attention, je ne dis pas que c'est de ta faute. Mais disons, c'est pour ça que je dois tout expliquer. Donc je pense que si tu gardes tes distances, ce serait probablement le mieux pour elle. Mais j'aimerais bien... Tant que nous y sommes, n'hésite pas à passer un peu plus de temps avec moi. Pour le dire légèrement, j'ai au moins toute ma tête et je sais comment bien m'occuper des membres de mon club. Ok, ça veut dire c'est de la pure ironie. Parce que moi, je suis 100% sûr que c'est elle qui a causé la mort de Sayori. Et je pense que vu comment ils pètent un câble les autres là, je pense qu'elle est responsable, hein, on va dire, de la mort. De fin de la mort. Je sais même pas si elle va mourir, mais du côté psychopathe de notre ami Yuri. Bref, de toute manière, j'ai travaillé vraiment, vraiment dur sur ce problème alors. J'espère que ça en vaudra le coup. C'est parti! Bon sang, j'ai vraiment eu peur. Il semblerait que... Ce soit un peu raté. Ouais, il semblerait que je me sois un peu raté à l'écriture de ce poème. J'essayais juste de. Oublie. What the fuck? Passons à autre chose. Et qui aurait inventé ce poème? Bazar encore. Yuri, j'ai pas envie du tout. Enfin! Ah! Yuri plaque mon poème contre son visage et prend une profonde inspiration. J'adore! J'adore tout dans ce poème! Rinko, je veux le ramener chez moi! Veux-tu bien me le laisser? S'il te plaît! D'accord, ça me gêne pas, mais putain, mais Rinko réagit normalement, je sais pas, fais un truc!
Putain, à chaque fois qu'elle est dans cette position, j'ai l'impression qu'elle perd un bras. Tu es trop gentil avec moi, Rinko. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un aussi gentil que toi. Je pourrais en mourir. Pas vraiment dans le sens littéral, mais... Je veux simplement pas comment le décrire. C'est normal de ressentir ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas mauvais, pas vrai? Yori tient mon poème contre sa poitrine. Je vais le ramener chez moi et le garder dans ma chambre. J'espère que ça te fera du bien de penser à moi en sachant que je l'ai. Je vais en prendre grand soin. Je vais même me toucher en le lisant et encore... Je vais me couper avec le papier afin que ton encre pénètre mon sang. Nya, putain, ce regard. Nya. Tu veux avoir mon poème aussi? Les plus? Après avoir lu, je sais que tu voudrais vraiment le garder. Tiens, prends-le, j'en ai plus. Je n'en peux plus d'attendre. Vite, lis-le. Du sang, de l'urine, j'ai l'impression. En haut à gauche, on a quelques petits dessins. Je dirais que celui-ci, en plus, il ressemble à un œil, peut-être troisième œil. Un des bizarres. Et là, je sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Un bi, aucune idée, mais je sens que quand on va quitter le poème, ça va partir en couille. Vu la musique aussi. Ah putain, j'en étais sûr. J'aime tellement pas ce regard. Il me fait flipper. Tu l'aimes? Je l'ai écrit pour toi. En cas où tu ne l'aurais pas deviné, ce poème parle de... Plus important encore, je l'ai imprégné de mon parfum. Ok, bah ça j'ai compris, hein. J'ai compris de quel parfum me parler. Alors ne suis-je pas la personne la plus attentionnée de ce club? Je pense que je vais vomir. Oui, vas-y. Chose que j'aime chez papa. Oh, ça c'est Natsuki, ça. Ça va être un message de Natsuki, à mon avis. Tant qu'elle parle de son frère. J'aime quand papa rentre tôt à la maison, quand il me fait à dîner, quand il me donne de l'argent de poche, quand il passe du temps avec moi, quand il me pose des questions sur mes amis... Quand il me pose des questions en général. Quand il me pose de l'argent pour manger. Quand il me donne de l'argent pour manger. Quand il rentre avant le coucher du soleil. Quand il cuisine. Quand il me laisse dans l'intimité. Quand il me dit de pas comment m'habiller. Quand il me fait pas de commentaires sur mes fréquentations. Quand il ne fait pas de commentaires sur mes passe-temps. Quand il rentre sans me réveiller. Vous voyez. Quand il garde de quoi manger à la maison. Quand il sait... Quand se taire, quand il me laisse tranquille, quand il fait accidentellement tomber des pièces dans le canapé, quand il est trop fatigué pour me remarquer, quand il est trop fatigué pour tout. J'aime quand papa est trop fatigué pour tout. What the fuck? Ok, alors, bien, les amis. Il est temps de passer du temps à travailler, de préférer le festival. Faisons vite et finissons-en avec. L'air stagnant présage souvent de l'arrivée d'un événement terrible. Bon, on peut en finir avec ça. J'avais imprimé et assemblé tous les tracks en poésie. Natsuki, tu peux faire les petits fours. Je sais qu'au moins tu es bonne pour ça. Yori, tu peux. Bon, peu importe. Fais ce que tu veux, tant que tu penses que ça peut nous aider. Monica, tu ne suis pas inutile, tu sais. Je le sais. Je sais que je n'ai pas... Je sais déjà ce que j'ai envie de faire. Nous ne pouvons pas écrire de bons poèmes sans l'atmosphère qu'il y a avec. Alors je vais mettre quelques décorations, installer une lumière d'ambiance. Eh bien, tu vois, c'est une bonne idée. Cela nous donne tous quelque chose à faire. Hein? Et Rinko alors? Rinko va m'aider. Quoi, toi? Tu as le travail le plus facile, Monica. Désolé, mais c'est comme ça. Mais oui, bien sûr. Qu'essaies-tu d'accomplir? Je suis d'accord avec Natsuki. Non seulement son travail est le plus adapté
non seulement à ton travail le plus adapté pour une personne, mais ma tâche est assez laborieuse pour bénéficier d'une paire de mains supplémentaires. La mienne aussi. Quoi, tes petits fours? Sérieusement? Comme si tu savais, putain. Tout ce qui importe, c'est de prendre Rinko avec toi et tes stupides bouquins. Aussi bien toi que Monica. Hey, je n'ai encore rien fait. Bon, pourquoi ne pas laisser Rinko décider de la personne à qui il souhaitait aider plutôt que d'abuser de tes pouvoirs? Je n'abuse pas de mes pouvoirs. Si, justement, Monica. Laisse Rinko faire son choix, d'accord? Bon, d'accord, comme vous voulez. Cela me va. Mais Dieu, Rinko, je sais que ces deux-là t'ennuient. Nous pouvons juste... Natsuki, ferme-la et essaye de... Et laisse-le décider de lui-même. Toi, ferme-la! Je n'en dirai donc jamais. Faites juste un choix compris. Faites juste un choix compris. Il faut jouer autre truc là. Je ferai un zoom, je pense. Regardez, regardez ma souris. Ma souris, je la contrôle plus là. Elle va à tout prix que j'aille voir Monica. Le problème, c'est que j'ai pas envie de passer du temps avec Monica. J'ai envie de passer du temps avec Natsuki, hein. Allez, souris. Oui, c'est bon. Ok. On va. Vous avez compris de pourquoi je rigolais. On va repasser sur Doki Doki. Et on va sélectionner si j'y arrive le plus vite possible. Oh, Natsuki. Qui? What the fuck? J'espère que j'ai pris Natsuki. Mais... Je suis obligé de prendre Monica là. On va prendre le plus haut. Oui, tu m'as choisi. On peut se voir chez toi ce week-end? Je te promets qu'on va passer un bon moment. Dimanche, te conviens? Tu te fous de ma gueule? C'est pas juste du tout. C'est Natsuki, ça l'est. C'est ce qu'il a choisi. Non, ce n'est pas juste. Tu nous donnes tout le boulot et gardes Rinko pour toi. Ce que tu fais est honteux. Oui, je ne t'ai même pas donné de travail. Tu as décidé de ça par toi-même. C'est toi qui es déraisonnable ici. Je suis déraisonnable. Monica, je n'arrive pas à croire à quel point tu es égoïste. Éloigner Rinko de moi à chaque fois que tu es... pas incluse dans quelque chose. Tu es jalouse. Folle. Je pense plus que c'est toi, Yuri, qui est folle, là. Il n'y en a pas de doigt dossier de regarder vite fait. Que ça m'inquiétait. Mais j'étais pas le choix. J'étais obligé de prendre Monica. Alors que moi, je vais prendre Natsuki. Ou peut-être que tu détestes tant que tu te lâches sur les autres. Voilà une petite suggestion. Pourquoi ne pas te suicider? Je serai bénéfique pour ta santé mentale. Yuri, tu me fais un peu peur. Natsuki, laisse-la faire. Je pense pas qu'elle veuille de nous dans les parages. Tu vois, c'était pas si dur. Tout ce que je veux, c'est passer un peu de temps avec lui. Si c'est dur que ça, comme demande. Yuri, Shimonika et Natsuki jusqu'à la porte. Et Rinko? Yuri, un peu vraiment spécial, non? Monica glousse tandis que Yuri la met dehors. Oh putain. Oh putain, il y a un nouveau dossier qui est apparu. Oh, attendez. On va passer sur le... sur l'écran là. Pendant que Monica respire. Parce que là, regardez. On a un message de la part de... je sais pas, du jeu. Qui a pile d'apparaître. Passe un bon week-end. Bloc-notes. Oh putain, écoutez les rires. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je vais peut-être savoir. Attendez, copier. Alors attendez, j'avais vu un truc. Alors attendez, pas vraiment lire, voilà. C'était secret de jeu base, voilà. Comme on écrit le message de l'an, passe un bon week-end. Voilà. C'est ça, je l'avais vu. Clé de chiffrement Libitina. Et c'est là-dedans. 6 hours later. Ok, c'est bon. Alors, voilà.
Donc en fait, il fallait que je repasse sur la base, j'avais bon au début. Mais il fallait que d'abord qu'on fasse ça, qu'on récupère ça et qu'on le mette là. Voilà. Qu'est-ce qu'un homme qui, s'il ne connaît pas le riche arôme du futur, l'équilibre complexe et bouillonnant du présent et l'arrière-goût doux amer du passé? What the fuck? Ok, donc c'est ça le message qu'a voulu nous faire passer Monica. On va revenir là-dessus. Je pense que... Merde. Excusez-moi. Je vais faire une petite... Pardon, dégage la pièce. Cours, hop là, on va aller sur autre. Voilà, dans trace d'étel, c'est ça. Et partie 2, on va faire un nouveau fichier. Qu'on va l'appeler... partie 2. Fin. Parce que je pense que là, on est à la fin de la partie 2, vu qu'on ça part en steak, qu'on est sur l'écurie, que la musique part en couille. Et je vais... Tu peux juste revenir dans ton jeu là. Voilà. Et le faire un copier de là. Je suis avec vous, comme ça on garde un peu tout. Alors. Allez, copie vite, s'il te plaît. J'ai pas que ça à faire, si tu vois ce que je veux dire. J'ai Yuri à tuer. Voilà. Ok, OBS, et on est reparti les amis, je vous remets sur le jeu. Wouah! Vidéo dans une vidéo. Voilà. Moi aussi, je vais revenir sur le jeu. Et j'ai sauvegardé, hein. What? C'est bien, hein? Ok, bon. J'ai eu un message de Monica. Enfin, on a vu, vous avez bien vu ce que j'ai vu de toute façon. Bref, un autre bug. Un bug normal, on va dire. Enfin! Enfin! C'est vraiment tout ce que je demande. Rinku, tu n'as pas à passer le week-end avec Monica. Ne l'écoute pas. Viens chez moi plutôt. Toute la journée, rien que nous deux. N'est-ce pas une idée merveilleuse? Oh, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez moi, n'est-ce pas? Mais tu sais quoi? Je n'ai plus rien à cirer. Je ne me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. Juste être avec toi est tellement plus plaisant que tout ce que j'ai pu imaginer. Je suis devenu accro à toi. C'est comme si j'allais mourir si je ne le respirais pas le même air que toi. Ça ne te fait pas plaisir d'avoir quelqu'un qui tient autant à toi? Quelqu'un qui ne peut se passer, qui veut passer toute sa vie avec toi. Mais pas moi, je veux pas être avec toi. Mais si, ça paraît tellement bien. Alors, pourquoi j'ai de plus en plus l'impression que quelque chose d'horrible va se produire? S'il te plaît, tu me fais peur, Yuri. Monica, Natsuki, s'il vous plaît, quelqu'un vienne. Que quelqu'un vienne m'aider et passer un bon week-end, mais je pense pas que je passe un bon week-end là. C'est peut-être pour ça que j'ai tenté de me contrôler au départ, de me contrôler, mais maintenant, le sentiment est plus fort. Plus rien ne compte vraiment, Rinku. Je dois te le dire, je suis folle amoureuse de toi. Je ressens comme si chaque partie de mon corps, chaque goutte de mon sang hurlait ton nom. Je n'ai que faire des conséquences désormais. Je me fiche de voir si Monica nous écoute. S'il te plaît, Rinku, sache au combien je t'aime. Je t'aime tellement que je me suis avec un stylo. Oh putain, que je t'ai volé. Dégueulasse. Je veux juste ouvrir la peau et ramper dedans. Je veux juste intégralement pour moi toute seule. Et je serai uniquement à toi. N'est-ce pas parfait? Dis-moi, Rinku. Dis-moi que tu m'aimes aussi. Acceptes-tu ma déclaration? Non! Attention, la scène qui va suivre possède un faux raccord. Essayez de le trouver.
Ok, bah passe un bon week-end. Alors tu l'as trouvé, je te laisse 5 secondes pour me le dire dans les commentaires. La réponse était le couteau, bravo à toi si tu l'as trouvé. Yuri s'est suscité. Oh, putain, ok, j'ai compris Baptiste. Baptiste m'a dit, il y a un moment dans le jeu où je te conseille de passer. Parce que c'est extrêmement long et inutile. Je pense que c'est ce moment-là. En plus, comme par hasard, le bouton passer est activé, alors que d'habitude, il est jamais activé. Tu diras, putain, il y en a tellement. Oh là 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 là. Putain. What the fuck? Oh, ouais, mais là, c'est genre hyper longtemps, en fait. What the fuck? Pourquoi ça s'illumine d'un coup, ça part en... ça s'éteint et tout ça? Putain. Oh, regardez son corps! Regardez son corps! Il a déflétri, il n'y a plus de yeux, il n'y a plus rien, son sang il est sec maintenant. Ah, c'est flippant. Je pense qu'on a bientôt fini là, non? Oh putain, non, c'est même pas fini. Ça dure encore combien de temps comme ça? Oh! Ça dure encore une journée de plus. T'as assez suicidé. Bon bah, très bien. What the fuck? Ok, dans les dossiers, tout c'est resynchronisé. Genre, je n'ai plus les dossiers chelous de départ que j'avais. Ce qui m'inquiète un peu, pour pas vous le dire. Qu'est-ce que ça? Attendez, il y a des trucs. Je regarde, je crois que c'est des trucs inutiles, mais. On sait jamais. Ouais, c'est inutile. Ok, bien, le festival est aujourd'hui. Oh, tu arrives avant moi. Nya! Oh putain! Natsuki s'en fait un cours. Alors, le coup de Natsuki. Qui vomit, je l'avais vu. J'avais vu une image en cherchant des miniatures mignonnes de Natsuki. Et j'ai tout droit sur ce jeu. Je me suis qu'est-ce que c'est que ça? Natsuki a vomi sur une fin du jeu, je sais pas. Ça m'a, je me suis jamais posé la question. Bon, voilà, ça répond à ma question maintenant. Je suis là! Rinko, qu'est-ce qui s'est passé? Natsuki vient juste de courir devant moi. Et oh! Oh! Eh bien, quel dommage! Attends, tu es resté tout le week-end, Rinko? Bah, tu m'as un bon week-end, hein? Oh mon dieu. Ah, on peut même plus sauvegarder? Je n'ai pas réalisé que le script était aussi corrompu. Je suis vraiment désolé. Ça a dû être plutôt ennuyeux. Je vais me rattraper, d'accord? Donne-moi juste une seconde. Remove character Yuri. Yuri supprime avec succès, c'est déjà fait. Non, 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 non! T'as su. Mais pourquoi t'as supprimé Zenatsuki? Alors là, je te laisserai pas faire. Alors là. Je vais rajouter Natsuki. T'as pas le droit. Voilà. Natsuki est de nouveau avec moi. Pratiquement côté brunier, je veux seulement avoir un petit four au plus vite. Je veux seulement avoir un petit four au plus vite. Monika lève le papier aluminium du plateau de. Et prend un petit four. Sérieusement, ce sont les meilleurs. Il m'en fallait juste un, étant donné que c'est la dernière fois que j'en aurai. Tu sais, avant qu'elle ne cesse d'exister. Non, mais j'ai remis Natsuki. Mais bon, je ne devrais pas te faire attendre plus longtemps. Endure avec moi, ok? Cela devrait prendre que quelques secondes. Oh putain, et le jeu se relance.
ou pas. Salvato. Ok, alors là, je vais sauvegarder. Je ne peux pas sauvegarder. Ok? Là, enfin, je ferme le jeu. En tout cas, le jeu part en couille totale. Je pense qu'il est temps qu'on s'arrête là. Oui, je pense qu'il est vraiment temps. Et puis, le temps que je fasse le montage, tout ça. Ouais, ça part n'importe comment. J'espère que cet épisode, en tout cas, vous aura bien plu. Je pense que là, on est rentré dans la partie 3. Le Doki Doki Literature Club. Ouais. Et puis, voilà, je vous fais de. Je vous dis au revoir. À une prochaine. Une prochaine vidéo, sayonara, tout ce que vous voulez, pouce bleu, abonnez-vous, commentez la mort de Yuri, RT si t'es triste, et puis partagez, bah tiens, partagez si vous êtes triste. Moi bon, en tout cas, je partagerai pas vu que j'en ai rien à foutre de Yuri. Par contre, Monica, il va falloir qu'on parle là. T'as supprimé là ma Natsuki. T'as pas intérêt, de toute façon, je l'ai remis, on verra la prochaine fois. Sur ce, bah, sayonara, voilà.